Salut à tous les amis, c'est Mister696. On se retrouve sur Nibiru pour l'épisode 9. Sous une petite pluie, on se rafraîchit bien alors que chez moi il faisait super beau. Je sais que je pense c'est vous chez vous, c'est la même chose parce que c'est un peu pas normal comme il fait chaud chez nous et qu'il fait beau par rapport à la saison, donc c'est un peu exceptionnel hein. Je pense que vous êtes au courant de ça, vous avez dû le remarquer. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de choses à faire, donc je vais vous montrer pas mal de choses que j'ai fait hors caméra et que qu'on va faire aujourd'hui. On va faire quand même plusieurs trucs, mais d'abord je vais vous montrer en gros ce que j'ai fait. Donc d'abord j'ai déjà rebouché ce qu'il y a là-haut, ça fait déjà un peu plus clean, et j'ai amélioré ma petite entrée en mettant un peu plus de volume sur ma muraille, donc ça donne un côté un peu plus stylé. Oups, ici il faut que je change encore, c'est pas beau d'avoir de la dirt comme ça. Et ici vous allez voir qu'il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus aucun coffre. Pourquoi il y a ce petit trou? Parce qu'il y a une petite chambre derrière. Avec une table. D'ailleurs, ça faut que je récupère. Avec une. Pourquoi une table? Une porte Carpenter. Qui est invisible depuis l'extérieur. Bon, là, c'est pas très discret avec le trou, mais bon. Pour l'instant, celle-là, je vais la déplacer par la suite. Et voilà, ici, il n'y a strictement plus rien. Ça va pas rester comme ça, hein. Tout ça va être décoré. Je me suis pas embêté à faire ce magnifique truc. Enfin, perso, je trouve que je me suis pas embêté à faire ça pour ne plus utiliser cette salle. Donc, ici, je vais utiliser pour quelque chose par la suite. Mais pour l'instant, je vais juste la décorer, je pense. Même si c'est assez loin décoré. Et donc, j'ai déplacé toute ma machine un peu plus loin. Je vous montrerai ça juste après. Et donc, ici, j'ai plus donc le contrôleur, le crafting terminal et le M Drive avec cette fois-ci. 6 MEK ME64K, donc ça me fait pas mal de stockage. Je suis encore pas non plus au maximum, mais j'ai perdu quand même quelques trucs. Et première information importante, si on va juste derrière, plus besoin de ME Bridge, enfin de Bridge simplement. Les MF, enfin voilà, ça marche avec tout. C'est pas spécialement des MF, donc là j'ai mis simplement du RF à n'importe quel endroit du système, et voilà, c'est bon, hein. Il faut juste coller à n'importe quel endroit. Donc ici c'est pour sur un des redstone furnace, et ça suffit pour tout le système. Donc voilà, ensuite donc j'ai fait des ME import bus et des export bus. Donc si on regarde ça, alors import, j'ai fait des précisions, donc pour cela il faut des basiques import bus, et pour cela ça. Tout ça, c'est faire des sticky pistons. Ça a été donné par Maxime, je crois, pour avoir les slime balls. Et ensuite, ça, on sait faire. Et pareil pour l'export. C'est pareil, c'est le précision. Donc, cette fois-ci, c'est avec un simple piston et pas un sticky. Et donc, à quoi ça sert? Donc, l'import, c'est pour importer dans le système. Donc, ça va tirer ce qu'il y a dans le système. D'ailleurs, pourquoi c'est orange ici, je sais pas. Ouais, donc normalement orange, ouais, il est ici orange, si je dis pas de bêtises, ouais, il est derrière. Donc c'est pour retirer, enfin pour faire revenir dans le système. Donc pour utiliser, pour faire vider tous mes coffres, j'ai simplement collé plein d'import à tous mes coffres, et ça a tout vidé d'un coup et tout rempli dans mon terminal, dans mon système. Et donc c'est l'inverse pour les exports, donc c'est pour faire sortir des choses dans le système. Donc ici par exemple, d'ailleurs je crois que je dois pas avoir assez de bois pour ça. Ouais, c'est bien ça. Donc ici je mets que le bois doit descendre dans le charbon. Donc chaque fois il faut mettre without signal, donc sans signal. Et non pas avec un truc comme ça, donc vraiment simplement comme ça, sans le signal redstone. Et après il faut changer entre simple, enfin seulement moi je préfère mettre qu'un item à la fois, sinon ça poire trop, et ensuite ça balance qu'un stack ici. Pareil pour ici, et pour là bah, il faut simplement, enfin, là je n'ai pas mis parce que ça change rien, mais c'est surtout pour ici. Donc c'est vous me direz c'est quoi? C'est les petites torches de redstone, donc c'est des level emitters. Donc ça se craft, bah voilà, comme ceci, c'est pas trop dur. Et à quoi ça sert? Donc là c'est pas mal pour le bois.
Donc là, c'est Dave qui m'a donné la petite astuce. Donc, puisque je veux pas utiliser tout mon bois, mais une partie du bois va se transformer en charcoal. Donc, j'en ai vraiment énormément. Hein, j'en ai 87 000. Donc, ici, vous mettez l'item que vous voulez. Enfin, vous pouvez mettre en dessus d'export ou d'import. Hein, c'est égal par rapport à ce que vous voulez faire. Vous mettez le chiffre ici. Maximum. Enfin, il faut qu'il reste au moins 1024 bois dans le système. Donc ici, c'est pas encore le cas. Donc normalement, il n'y a rien qui peut rentrer là-dedans. Voilà, donc comme vous voyez, dès qu'il y aura 1024, eh ben, ça va passer jusqu'à qu'il n'y ait plus 1024. Donc c'est ça le principe. 1024, voilà, vous pouvez mettre 1025 si vous voulez. Bon, je laisse 1024, c'est par rapport à un nombre de stacks précis. Et il faut simplement mettre... Quand le bois, donc le nombre de bois est égal ou est plus haut que la limite. Donc après, vous allez être plus 64, etc. Donc voilà, comme ceci. Et donc ça permet de ne pas tout transférer. Donc ensuite, l'under chest est posé directement dessus. Il se vide donc directement de tout le bois et de tout le charcoal. Je pourrais même récupérer les pommes, comme ça j'en aurais pas mal. Mais bon, je crois que c'est même le cas. Je sais pas. Je sais pas si j'ai été changé là-bas au fond. Et ensuite, bon, ça, les Tesseract, pour l'instant, c'est Dave qui nous a passé. On les fera bientôt. Je vous montrerai comment les faire. C'est pas trop dur. C'est pour transférer de l'énergie d'un endroit à un autre. Et donc, l'énergie, elle n'est pas faite ici. Elle est faite juste à côté où j'ai mis mes nouvelles machines. Vous verrez ça. Donc, ensuite, vous me direz c'est quoi ces petites télécommandes. Donc, ça, j'ai déjà parlé. Donc, c'est un peu compliqué à faire. Donc il faut un nouveau access terminal. Ceci vous en faut pas mal. Donc avec des underpearls entourés de ces lingots là. Donc je les ai déjà fait je crois. Donc c'est avec ça qu'on utilise le coordinator. Donc simplement comme ceci. Et l'autre c'est sans. Enfin c'est avec des quartz normaux. Voilà comme ceci. Et ensuite le dernier craft. Mince. Voilà c'est ceci. Donc de nouveau avec... les cristals violets, et ensuite vous le faites charger dans une voilà, c'est dans ma bad box, et ça vous permet d'être à distance comme ceci, d'ouvrir. Par contre, il n'y a pas la table de craft en dessous, mais ça vous permet d'avoir ce que vous voulez sans devoir spécialement venir dans un access terminal. Ensuite, dernier point encore, l'access point. À quoi ça sert? Vous êtes obligé d'en avoir un pour utiliser la petite manette, donc voilà. Nouveau, il faut utiliser un petit truc comme ça, et ça permet donc de faire une sorte de wifi avec la petite manette. Ça sert donc à pouvoir détecter assez loin, et sans ça, vous pouvez pas en avoir un. Et on va pouvoir mettre des sortes ouais, des améliorations pour pouvoir agrandir la zone. Mais pour ça, je vais juste vous montrer déjà comment connecter la manette. Donc, vous allez dans votre contrôleur, en fait, il est de ce côté. Voilà, juste ici. Vous mettez votre petite télécommande qui sera écrite unlinked, donc pas enregistrée. Vous la mettez là-haut et ça va la linker par rapport à votre système. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, directement, on va pouvoir agrandir le Wi-Fi, en gros, avec ceci. Donc, on va s'en faire carrément, je sais pas combien. Ouais, je sais pas, je vais peut-être en faire 4 ou 3. Ouais, peut-être 3. Donc, comment j'ai fait ça? Simplement, Shift, clic sur le point d'interrogation, ça va le mettre directement là-dedans. Si vous refaites Shift, clic, bah, ça va vous donner le maximum que vous pouvez avec les ressources qu'il y a là-dedans. Donc, ne jamais faire ça. Il faut prendre un après l'autre. Voilà, on va s'en faire 3 pour l'instant. On va quitter le craft. Et ensuite, on les met dans le Wireless Point Access. Donc, si je vous montre juste 100, hop, on va juste aller là-bas au fond. Je vais vous montrer. Donc, ici également. J'ai un peu amélioré bah, les couloirs, enfin j'ai un peu avancé. Ici j'ai fait une immense salle au filler qui va me servir par la suite. Pour l'instant j'ai fait un peu trop grande par rapport à ce que je voulais. Donc j'en ai refait une autre un peu plus loin là-bas. Avec ce toit, enfin ce plafond en lave, c'est un peu bizarre je trouve. Mais bon, ça voilà, ça éclaire au moins. Et ça donne un petit style un peu particulier. Avec au sol de la Sandy Block. Si je vous montre ça. Donc Sandy Block. Hop. Comme on le fait, tac, donc c'est avec du sable et de la brique. Voilà, c'est pas trop dur. Donc voilà, avec la
La télécom... Le Wi-Fi de base, donc juste avec sans amélioration. Jusqu'ici, ça marche, vous avez vu. Et ensuite, si on se déplace un tout petit peu, encore un peu, voilà, ça nous dit qu'il n'y a plus d'accès, que c'est trop loin. Donc, on va revenir juste ici, on va mettre les améliorations et vous verrez que ça ira comme par magie beaucoup plus loin. Voilà. On peut aller encore beaucoup, beaucoup plus loin puisqu'on a fait trois améliorations, hein. Parce que normalement, ça fait trois fois la zone que j'avais là. Donc, c'est pas mal. Pour l'instant, on va poser ça juste ici. Voilà. Donc, ici, j'ai posé toutes mes machines. Simplement, ici, l'extrudeur, juste en mettant de la lave à la base dedans, donc en faisant un clic droite et de l'eau, on continue avec le même mot que la colle accumulateur, enfin, qui sort de la colle accumulateur, ça va vous faire de la stone en masse. Je ne l'ai pas relié au système parce que voilà, ça va me faire beaucoup trop de stone sinon. Bah, ça me sert strictement à rien. Si j'en ai besoin, voilà, c'est comme ça. Donc ensuite, il y a une petite porte secrète juste ici. Voilà. Et ici, on a plus ou moins le même si système qu'avant. Donc l'eau en dessous. Et maintenant, par contre, j'ai amené le système d'applied jusqu'ici. Et bah, ici, dans chaque export, j'ai du charcoal qui nourrit bah, dès que les cinamos manquent de charcoal. Donc ça fait aucune perte comme ça, c'est parfait. Et donc ça remplit le tesseract. Ici, donc qui est relié, donc provisoire caillou, donc je vous montrerai comment ça marche ça la prochaine fois, qui est relié donc à celui qui est là-bas, donc sous le même nom, et donc ça permet de donner l'énergie aux deux sans problème, et même au pire, je pourrais même le même celui qui est là-bas, je suis même pas sûr que j'en aurais besoin, simplement en connectant ça au système ici, donc ça sera, c'est juste que. Par rapport à ça, ça jouerait pas. Mais ça pourrait presque. Il faudrait... Enfin, c'est pas trop dur à le faire, mais voilà, le terrain, c'est vrai que ça peut être une autre solution. Et en face, on a pareil. Ici, donc cette fois-ci, c'est les EU. Donc, toutes les machines EU, pour l'instant, elles sont là. Avec une deuxième industrielle centrifuge que j'ai faite. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Alors, je vais juste récupérer ceci pour vous montrer. Donc, ça, c'est en ayant... j'ai eu ça en récupérant de la redstone or avec une pioche kill touch et en la mettant dans un macérateur, ça vous donne 10 comme ceci. Et ensuite, avec ça, de nouveau dans le macérateur, ça vous donne 10 comme ça. Et chaque petite dose comme ça vous donne 10 redstone. Donc, c'est vraiment avantageux, surtout que je manquais énormément de redstone. La dernière fois également, j'avais oublié de vous montrer. La plate bending machine qui n'est pas une machine difficile à faire juste ici donc tout ça est faisable simplement et ça me sert à avoir ben, des plaques à la place d'avoir la machine en bronze juste là-bas et pourquoi je l'ai faite c'est parce que en mettant des plaques de tin vous allez voir comment avoir des empty cells j'avais eu un doute comment les faire mais voilà maintenant j'ai trouvé. J'ai pas été. Voilà, j'étais pas. Des fois, je cherche pas assez dans les crafts comment les faire. Donc, si je vous montre, normalement, on doit pouvoir le voir. Non, c'est pas là. Je vais voir comment ça se fait. Je sais plus du tout où je l'avais vu. Tac, tac. Voilà, juste ici, vous voyez. Ils disent avec ça, j'ai essayé, ça ne sert strictement à rien. Hein. Voilà, ne le faites pas. Donc normalement deux plaques ça donne seulement un empty cell, c'est pas énorme. Et ensuite il faut trois empty cells pour lancer la fabrication avec de la redstone, de ruby et ça vous donne du mercury cell, du silicone ça pourrait être utile par la suite. Et de la pyrite donc on va pour l'instant prendre la pyrite parce qu'on en a besoin. Voilà, on en a besoin pour aller faire un nouveau stockage d'énergie un peu plus gros. Donc ici c'était le craft de la bending machine. Donc on va se faire si je... Non c'est pas comme ça en fait. C'était comme ceci. Donc j'ai déjà fait trois de ces trucs. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment ça se craft. Hop hop. Et hop. Voilà, c'est pour se faire un MFE. Donc ceci, il me faut 4 ruby dust. J'espère que j'en ai assez. Oui, normalement j'en ai un. Et 5 redstone. 1, 2, 3, 4, 5. Et de la ruby dust 4, ah, j'en ai déjà deux en fait. Hop, voilà comme ceci.
Et ensuite, non, pas là. Oula, je me suis un peu loupé. J'ai tout mis à côté. Comme ceci, ça nous fait des Energium Dust. Donc, qui nous sert après à faire des câbles en fibre vert. Donc, c'est super coûteux, mais bon. Par la suite, on en aura besoin. Pour le coup. Ouais, allez, je peux prendre tout ce qui est là. Hein. Ça sera beaucoup plus facile à ramener là-bas. Hop, on fait un petit slash back. Comme ceci, j'ai la flemme. Hein. Je suis un gros flemmard pour le coup, tout le monde me le dit. Je fais chaque fois des slash home, slash back. Et au moins, je suis beaucoup plus rapide que les autres. Donc, la salle ici, ça sera un peu notre salle de toutes les machines de base. Donc, ici, j'ai mis mon cock oven. Et dans le fond, là, il y aura toutes les grosses machines, c'est-à-dire l'industrial grinder et l'industrial blast furnace. Et donc, c'est des machines qui prennent du 128, si je dis pas de bêtises, ainsi que l'électrolyzer qui prend du 128. Donc, comme ça sera un peu séparé les deux. Ça sera plus mieux séparé entre tout ce qui prend du 128 et tout ce qui prend du 32. Car, comme enfin, je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais. Si on met super, si on enfin certaines machines donc demandent comme celle-là, enfin, non, pas celle-là, c'est pas une machine. Certaines machines demandent du 32. Donc, si je regarde là-dessus, si j'en récupère une, tac, voilà un peu la galère. C'est écrit donc maximum de EU in, c'est du 32. Donc ça va prendre du 32 et donc la bad box sort du 32. Par contre le MFE c'est ça sort du 512. Enfin comment dire ouais donc ça c'est du 20 du 32. Donc ça sort du 512 et il me faut donc un transformer. Où est-ce qu'ils sont? Il me faut du alors il me faut celui-là normalement. Non, c'est bizarre qu'il sorte du. Ça me semble bizarre qu'il sorte autant de. Voilà, excusez-moi, un petit problème avec ma carte graphique. Voilà, c'est qu'un petit détail. Et je me suis un peu informé en fait. Voilà, dans la mise à jour, dans le précipitement, je me suis fait le MFE. Alors qu'il y avait d'abord le CESU d'abord qui sort du 128. Et donc il faudra qu'on se faut qu'on se fasse d'abord. Il faut des bronze plates. Et également. Ok, donc il me faut pas mal de bronze plates. Je pense que j'ai plus de copper. J'en ai 8. Ouais, c'est pas le top. Donc on va quand même prendre un petit stack. Je pense qu'on va se faire. On va se faire. Ouais, on va se faire un bon petit stock de bronze en fait. Ça, on s'en fout, on va le remettre là-dedans. Hop. My name is Oliver Queen. Ah, excusez-moi. Je sais pas si vous avez entendu ce petit film, mais j'espère pas. Mais bon, si vous avez entendu, bah, ou si vous avez pas entendu, c'était un film qui s'est lancé tout seul. Il est en train de charger. Et je sais pas pourquoi il s'est lancé tout seul. Voilà, j'en sais rien. Donc, on va faire des plaques ici. Ensuite, ça, on va pouvoir mettre ça là-dedans. Ça, ranger ça là-dedans. Ça j'en aurais besoin. Donc le CESU, comment est-ce qu'on fait ceci? Il me faut de la sulfure et du lead. Il m'en faut combien? Donc 3 chacun. 3 sulfures. C'est seulement des dust. Il me faut des dust. C'est pas le top ça. En espérant que j'en ai encore. Lead. Où est-ce que je peux. Mince. Je peux faire des toasts avec ça. Il me faut aussi du sulfure. Voilà, ça c'est bon. Comment faire des toasts avec ça? Tac. Sur mon moyen dans le macérateur. Ouais, dans le macérateur. Donc, dans le macérateur qui est ici, je vais en faire chauffer 3. Voilà. La plate bending. Ouais, elle devrait avancer. On va juste se refaire un petit truc un peu plus rapide. Stick. J'ai plus d'iron stick.
Fantastique, super. Bon, on va devoir attendre un peu plus. Oula. Waouh, ça me fait des... Waouh, ok, oublié. Super. On prend 9 d'un coup. C'est pas le top, ça, en fait. Ok. Alors, il me faut du fer. Du style. Vous voyez que j'en ai pas mal. Voilà, j'ai eu un petit lag. Et encore. Où est-ce qu'il est? Il doit être là-dedans. Donc, ça, je vous expliquerai aussi. C'est pas du tout utile pour l'instant. C'était un truc que j'ai testé. Ça ne sert à rien. Hop, donc on va se faire un petit marteau. Comme ceci. Hop. Je sais pas, je pense que l'épisode sera un peu plus long que d'habitude. C'est pas comme ça. Parce que bah, j'ai pas mal de choses à faire. Je pensais me faire aussi la nano suite. Mais en fait, ça va, ça risque d'être chaud. Donc on va mettre ça là-dedans, c'est pas grave, c'est de la perte d'énergie. Donc on va se faire les plaques nous-mêmes. On va se faire la moitié. Hop. En fait, je pense que je devrais le faire en entier. Ouais, on va se faire en entier en fait. Ça devrait suffire. Enfin, ça devrait juste suffire. Alors, il m'en faut combien de ces trucs? Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va en mettre 5 de côté. Voilà. Et ensuite, il m'en faut combien de ces machins? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Il m'en faut 15. Bah, c'est parfait. Hop. Il m'en reste juste assez. Comme ceci. Voilà. En espérant que mes toasts soient finis dans le macérateur. Bon, bah, il ne faut pas que je craque ça. Sinon, ça ne le fait pas. Voilà. Donc on va se faire ça. 2, 3, 1, 2, 3. La sulfure. Enfin le sulfure au milieu. Pas là. Et ensuite. Tac, 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 tac. Donc ça c'est des batteries beaucoup plus puissantes. Enfin, qui peuvent s'occuper plus que celles de base. Et ensuite, donc tac, tac, tac. Voilà, et voilà. Voilà, on a notre CESU. Par contre, il sort du 128. Donc pour ça, il va nous falloir un transformer. Le transformer qui va passer du 128 au 32. Donc il faut juste simplement ceci. En espérant que j'ai toujours un cutter. Voilà. Il me faut donc. Est-ce que j'ai. Oh, non, je n'en ai pas. Hop. Alors, tac. Sais pas trop combien il m'en faut. Non, d'abord il me faut des plaques en fait. Hop, voilà. Vous voyez comme c'est un peu le bordel dans ce Minecraft là. Donc il m'en faut plus, il m'en faut le double. Hop. Vous voyez comme c'est long de faire tous les crafts. Ça reste chaud. Bon, au moins là on aura vu les nouvelles ressources. La nouvelle sorte d'énergie, donc le tin, bien sûr, j'en ai plus. Je sais pas du tout si ça va me suffire. Ça, hop, ouais, ça devrait me suffire. Est-ce que j'ai du oui? Oula, pourquoi j'ai plus que 64 là? Ça va pas. Je crois que je vais aller replanter des pousses de rubber, ça ira beaucoup plus facilement. Comme ceci, hop, si c'est pas de bêtises, ouais, 1 et 2. Voilà, et ensuite c'était simplement du bois. Wood, je crois que j'en ai assez, hein. Hop. Pas faire des pertes. Hop. Voilà, comme ceci. Si jamais trop. Pourquoi ça m'a fait une porte? Bon. C'est jamais trop dur d'avoir les transformeurs, hein. C'est vraiment pas le plus dur comparé aux autres. Donc, il faut qu'on repasse un peu tout ça. Alors, tac, comme ceci. On va casser ça à la hache. Je sais beaucoup mieux. Ensuite, tac, comme ceci. Donc on va mettre le CESU. Ouais. On va pouvoir le mettre même ici. Juste comme ça. Voilà, normalement il fait remplir par les deux. Suivi donc du LV Transformer. Si je dis pas de bêtises, j'espère que c'est. Non. Ouais, ça doit être censé être comme ça. Normalement c'est bon. On va bien voir de toute façon. Hop, ce qui se remplit. Voilà. Donc,
Le petit trou dans les stockages, c'est la sortie. Et par contre, il y a les trois trous dans les transformers. C'est pour l'entrée et la sortie, ces trois petits points. Donc comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir donc replacer les câbles. Et maintenant, on a un peu plus de stockage. Et on va même pouvoir donc se faire, puisqu'on a ça, on va pouvoir se faire peut-être le transformer. Ok, c'est pas trop dur, je crois. Hein? Bah non, c'est pas ça. Copper cable, MV transformer. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a un truc de spécial? Ok, ça ne devait pas être ça. Est-ce qu'il y a un autre truc? Non, c'est pas non. Ah, non. What the fuck is it? Ça me semble vraiment bizarre d'avoir ça là. Chapless IC2 crafting. On va chercher IC2. IC2. Non. Industrial. Beaucoup de trucs. Barrel. Ouais, ça pourrait être utile. Ça pouvait être utile. Mais plus maintenant. Il n'y a pas une table de craft spéciale. Pas à ce que je vois. Je comprends pas là pour le coup. Comment on les fait? Peut-être que j'aurais même le giver à la place. Hein, je sais pas. Parce que ça me semble un peu trop simple. Mais bon, c'est pas grave. On va pouvoir commencer. Maintenant qu'on a un peu de rubis. La nano suite. Donc si je vous montre comment on se la fait. Hop. Donc simplement avec des carbon plates et des énergies cristal. Les carbon plates c'est un peu long. Et c'est pour ça que j'ai gardé un peu les haches. Parce que nous en avons besoin pour faire dans le wire mile. Comment on les a celles-là? Voilà, donc dans la centrifuge, simplement mettre. Donc on va les mettre. Les haches. Voilà. Pour l'instant, j'ai 53 comme ça, mais c'est pas trop grave. On va récupérer tout ça. Hop. Ça d'abord finir. Donc ça, on va pouvoir ranger là. On va ranger tout ça. Tac, 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 tac. Tac, tac. Tac. Ensuite, on va prendre ça. On va le ranger. Ça. Et voilà. Comme ceci. Il y a quelque chose qui est cuit là-dedans. Non, il n'y a rien. Ouais, il y a ça que je peux remettre là-dedans. Voilà, donc je vous reprends juste dès que j'aurai fait mes carbon plates. Donc simplement dans le compresseur, voilà, vous voyez dans Wire Mile qui est juste ici avec la Lost Smelter à côté et ces machines. Je vous expliquerai ça par la suite. D'ailleurs, je vais augmenter les chunks, j'ai oublié de faire ça. Et donc, on se retrouve juste après ou dans le prochain épisode. Allez, à tout de suite. Nous revoilà pour la fin de l'épisode et j'ai trouvé comment faire. Donc on m'a expliqué, c'était une petite astuce qu'il faut savoir. Donc c'est avec le Basic Machine Casing et avec deux Copper Cable qu'on obtient le MV Transformer. Et comme ça on pourra placer notre MFE. Et en même temps, j'ai commencé à faire les préparations pour la nano suite. Donc je transforme tout en hache. Afin d'avoir ça que je mets dans le wire mile comme ceci. Donc ici tac, pourquoi c'est plus là ça? Tac, tac. Voilà, je pense qu'il doit être chargé, ça le problème. Ouais, c'est pas le top du top. C'est pas grave, on va pouvoir détruire tout ça. Hop, comme ceci. Hop, ensuite on va récupérer juste ça. Alors le MFE, il est ici. Donc le MFE, il va être rempli. Donc par les deux générateurs, on va en mettre plus par la suite, hein, bien sûr. Sinon, ça ne suffira juste jamais. Ensuite, il me faut donc le MV Transformer juste ici. Suivi donc du CESU, comme ceci, on va le mettre. Suivi du LV Transformer, comme ceci. Et suivi de la Bad Box, comme ceci. Et ensuite on met les câbles juste ici. Et voilà, normalement tout est ok. Ça charge pas. Ça
C'est-à-dire que celui-là, il n'est pas permis, à moins que ça charge ça, là. Ça va être celui-là qui doit être maintenu. Dans le doute, on va enlever ça. Enlever ça. Alors, on va juste creuser un petit truc ici. Comme ça sera beaucoup mieux. Alors, tac. Voilà, est-ce que ça se charge? Voilà, ça se charge. Et si ça ne se charge pas? On va récupérer ça et on va le replacer comme l'autre, juste ici. Non, il veut pas. Hop, on va récupérer juste ça. Hop, comme ceci. Où est-ce qu'il est, ce foutu signal? Hop. Okay. Donc c'est lui qui n'est pas bon. Voilà. Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Bon, on va voir ça juste après. En attendant, ça m'en a fait 4. Il m'en faut encore un tout petit peu. Hop. Donc c'est super loin. Enfin, ça va. C'est même moins long qu'avant, je trouve. Parce qu'avant, c'était presque plus long. Donc il m'en manque encore un à faire. Donc tac, pour l'instant. On va juste pas pouvoir se faire. Le casque, parce que si je vous montre ça, nano, le casque est un truc un peu compliqué à faire, que je peux faire, mais je ferai ça peut-être en hors vidéo, parce que c'est un peu long à faire pour cette vidéo. Donc il y a juste ceci qui est un peu long à faire, voilà, vous voyez. Mais bon, je sais, je vais pouvoir le faire bah, juste entre les deux vidéos, je pense. Voilà, donc les chaussures et encore donc. Le torse qu'on peut se faire ici, est-ce que ça m'en a fait un? Oui. Sauf qu'il n'y a plus d'énergie, donc ça c'est pas le top, c'est vrai, il faut que je remette. Je peux remettre comme ça. Oups. 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 Oups, oups. Pourquoi ça m'a fait ça? Je comprends pas pourquoi ça a fait ça. Pourtant, j'ai remis sur du 32, donc ça n'aurait pas dû. Attendez, le LV Transformer, il transforme. Je crois qu'il transforme peut-être en. Ah voilà, il transforme en. Non. Non, il transforme en 32 pourtant. C'est bizarre, je pense que ça va être le petit courant qui a mal dû passer. Voilà, c'est bon, ça n'a pas bugué, heureusement j'ai peur là. Bon bah je les referai, enfin je les referai quoi. C'est pas bien grave. Juste que je pense que je dois avoir du rubis dedans, comme ça, mais bon. J'espère juste en avoir assez, normalement c'est bon, j'en ai assez. Bon ici par contre, ah elle s'est remplie, ok, bon parfait, donc on va pouvoir remettre ça là. Par contre cette fois-ci j'enlève ça. Voilà. Ça ira mieux comme ça, là il n'y a rien qui est cassé, non, c'est tout bon. Voilà, hop, et voilà, c'est bon, on a notre dernière pièce de la Nano Suite. Enfin, une de mes dernières pièces. Donc un épisode un peu plus long que d'habitude. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Il y a pas mal de choses qu'on a vues. Un peu tout, que ce soit IC2, Applied, etc. On a eu pas mal de choses. Assez importante, comment j'ai avancé, etc. Donc ça risque d'avancer encore un peu entre les vidéos. Et la prochaine fois, bah, on continuera à avancer dans ce qu'on fait un peu ceci. Donc faire des nouvelles machines pour par la suite avoir bien sûr une quarry. Ce sera le but un peu plus tard. Donc on va essayer de mettre ça là-dedans. Donc là c'est bon. Et ça là-dedans, ce n'est pas bon. Donc il faut minimum dans le MFE pour la charger. Par contre, ça me pompe énormément d'énergie à voir. Ouais. Voilà, donc on va pouvoir améliorer la Nano Suite par la suite avec donc l'Advanced. Et bah, ça va prendre un peu plus de temps. Je sais pas si je le ferai peut-être aussi hors caméra, je pense là. C'est juste ça qui est super long à faire. Mais bon, c'est totalement faisable.
faisable. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, j'espère également que vous appréciez comment a été fait la nouvelle décoration. Donnez-moi des idées si vous en avez pour décorer ici. Ça pourrait m'être utile. Je ne sais pas encore tout comment je vais faire. Et bah, quelques autres salles vont apparaître par là-bas, je pense. Je fasse attention parce que là je suis en deux salles, mais bon, ça va bien prendre forme, je pense. Ça risque d'être pas mal intéressant. Donc n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de voir les autres vidéos sur le serveur Nibiru. Et sinon, moi je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.